vacances ce mois-ci. Il va traverser le territoire du nord au sud et d'est en ouest. Il va un peu bouleverser notre météo, mais il ne représente aucun risque majeur. Pour que tout se passe bien, il faudra avancer pas à pas dans la tempête. Alors, quel est ce phénomène? Ce phénomène, c'est la procédure d'admission post-bac. Pour cela, il existe un calendrier en 4 étapes. Il faut les suivre avec précision pour éviter que le temps tourne à l'orage. Alors, ces étapes, quelles sont-elles? Tout d'abord, on a l'inscription électronique. Ensuite, on a la confirmation des candidatures et le classement des vœux. En troisième, on arrive aux propositions d'admission. Et enfin, en dernier, nous aurons l'inscription administrative. Alors, pour connaître les dates de l'année en cours, rendez-vous sur le site Admission Post-Bac. Et maintenant, vous pouvez cliquer sur l'une de ces étapes pour plus d'informations. Alors, les premières perturbations de la procédure admission post-bac, assez douces celles-ci, vont arriver aux alentours du mois de janvier et elles dureront jusqu'à mars. Alors là, il va s'agir de vous inscrire sur le site Admission Post-Bac et de saisir vos candidatures. Pour ce faire, il faut vous équiper de votre numéro INE ou BEA et bien penser à transmettre une adresse mail fiable que vous consultez régulièrement. Attention, à l'issue de cette étape, un code APB et un code confidentiel vous seront communiqués, notez-les bien et conservez-les précieusement. Alors, sur le site APB, vous pouvez faire jusqu'à 36 candidatures. Et si jamais une formation que vous souhaitez faire ne se trouve pas sur la plateforme, c'est tout simplement qu'il faut s'adresser directement à l'établissement qui la propose. Renseignez-vous bien pour être sûr que c'est bien le cas. Voilà, donc pour connaître les dates de cette étape pour l'année en cours, rendez-vous sur le site Admission Post-Bac. Cette deuxième étape de la procédure post-bac va être un petit peu plus chargée parce qu'elle va comprendre deux précipitations. S'il vous plaît. Oh, merci. On se prépare, hein. Alors, la première précipitation va durer jusqu'aux alentours de début avril. Avant sa fin, il faudra avoir confirmé toutes les formations auxquelles vous souhaitez candidater. Et avoir envoyé tous vos dossiers de candidature. Alors, pour certaines formations, un dossier à remplir vous sera envoyé par voie électronique. Et pour d'autres formations, ce sera un dossier papier qu'il faudra entièrement constituer. Mais ne paniquez pas, tout sera expliqué sur la plateforme. Dans le même temps donc, nous aurons une deuxième ondée. Elle sera un petit peu plus longue. Elle va durer jusqu'à fin mai pratiquement. Donc pendant toute la durée de celle-ci, vous allez pouvoir modifier le classement de vos demandes de formation. Mais après, par contre, il sera trop tard. Donc ne perdez pas le nord et battez-vous pour vos choix à vous. Voilà, pour connaître les dates de l'année en cours pour cette étape, rendez-vous sur le site d'admission Post-Bac. C'est lors de cette troisième étape, au début du mois de juin, à peu près, que tout va se jouer. Là, trois niveaux de température seront à noter. À chaque fois qu'un niveau sera atteint, vous allez recevoir des propositions d'admission dans les formations auxquelles vous aurez postulé. Répondez-y, sinon vous risquez de déclencher une alerte orange. Alors que va-t-il falloir répondre? Quatre réponses sont possibles. Tout d'abord, oui définitif, oui mais, non mais, ou alors je renonce à tous mes vœux. Alors soyez attentifs à chaque niveau pour ne pas faire exploser le thermomètre. Pour connaître les dates de cette étape de l'année en cours, rendez-vous sur le site internet Admission Post-Bac. Enfin, les enfants.
intempéries et les écarts de température se dissipent pour de belles éclaircies et un ciel dégagé. Vous êtes arrivé à la fin, il ne vous reste plus qu'à effectuer votre inscription administrative pour la formation à laquelle vous avez répondu oui définitif. Alors, chaque établissement a ses formalités, donc vérifiez bien les instructions communiquées et respectez les délais. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à contacter votre futur établissement. Pour connaître toutes les dates précises de l'année en cours de la procédure admission post-bac, rendez-vous sur le site d'admission post-bac directement et pour toute autre information sur le sujet. Je vous souhaite une bonne réussite au bac et je vous dis à bientôt pour de nouvelles prévisions. Thank you.